fait une belle peur, monsieur. Mais je te reconnais. Tu es cette petite fille qu'on appelle le petit chaperon rouge. Excuse-moi si je t'ai fait peur, je ne voulais pas. Mais dis-moi, que fais-tu toute seule dans la forêt? Où vas-tu comme ça? Je vais rendre visite à Mère-Grand qui est malade. C'est très bien, tu es une petite fille extrêmement attentionnée. Mais tu dois être prudente et ne pas t'arrêter en chemin. J'ai entendu dire par mes amis chasseurs qu'il y avait un loup affamé qui rôdait depuis quelque temps dans la forêt. Il y a un grand méchant loup dans le bois? Oui, et ce loup n'est jamais rassasié. S'il rencontre une belle petite fille comme toi, c'est certain, il essaiera de la manger. C'est pour cette raison que tu dois faire très attention, tu comprends? Je serai très prudente, je vous le promets. Fais bonne route. Au revoir, monsieur le chasseur. Merci de m'avoir prévenu. Au revoir, petit chaperon rouge. Peut-être à bientôt. Bien. Je l'ai échappé belle. Si ce chasseur...